La cuisson. Un cuisinier si maladroit, tu es sûr de pouvoir gagner? Dans ce tour, les concurrents doivent se battre pour leur cuisine. Bien, le concours d'aujourd'hui s'annonce très intéressant. Ne t'inquiète pas, gamin, nous avons ça. Les enfants, lorsque vous rencontrez des difficultés, ne vous inquiétez pas trop. Regardez mon batteur d'œuf. Laisse-moi faire, va ajouter de la farine dans un bol. Buffo était trop subjectif et s'est précipité, donc les résultats n'étaient pas comme prévu. Oh non! Je n'aurais pas dû te regarder de haut. Regardez le ventre de Casper. Dépendance au soda. Salut les copains. Remplis ça pour moi, s'il te plaît. Savez-vous quelles sont les conséquences d'une consommation excessive de boissons gazeuses comme celle de Casper? Même pas. Bouge, Casper. Casper. Casper s'est fait pipi dessus. Ce n'est pas bon du tout de boire trop de soda. Les aliments gazeux donnent l'impression d'être ballonnés et ont un effet néfaste sur nos dents. Je promets de ne plus boire de soda.
Oh, qui cette voiture de luxe vient chercher? Ne me quitte pas, Lucie. Est-ce que tu peux prendre une photo de moi? Malheureusement pour Wolfou, Lucie semble avoir attiré l'attention du photographe. Peut-elle être notre bébé modèle? C'est ainsi qu'au lieu de Wolfou, Lucie est devenue accidentellement mannequin pour enfants. J'étais en train de jouer avec elle. Elle a une séance photo aujourd'hui, mon chéri. Le chauffeur va bientôt arriver. La voiture est venue chercher Lucie. Cette voiture est réservée aux superstars. Quand est-ce que ma sœur revient alors? Elle ne le fera pas. Elle déménagera dans un grand manoir. Est-ce le cas? Lucie! 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 Je dois la garder avec moi. Eh bien, qu'est-ce que va faire Wolfou maintenant? On y va. Lucie, Wolfou. Je ne veux pas que Lucie me quitte. Lucie n'ira nulle part. Elle sera toujours ta petite sœur. On dirait que tu m'aimes vraiment beaucoup. Paix de bébé partout. Pourquoi Nancy panique-t-elle? Jenny a encore fait caca? Oh non, comment Lucie peut-elle manger maintenant? Oh, pas encore, Jenny. C'est pas grave, mange-le. Regarde. Wolfou, Wolfou, salut. Salut. Regarde-moi. Wow, voici Lucie lorsqu'elle était bébé. Mmh.
Oh non! Je suis vraiment désolée. Wolfo, veux-tu dire quelque chose à tes parents? Il s'avère que Lucie a également beaucoup pété lorsqu'elle était enfant, tout comme Jenny. Encore plus impressionnant. T'inquiète pas, apprends-lui juste à aller sur le pot. Jenny, quand tu veux faire pipi, va t'asseoir sur le pot. Maman, aide-moi à essuyer mon popo. Papa, aide-moi. Papa. Lucie ne sait toujours pas comment s'essuyer les fesses. Regardez, Lucie a encore laissé sortir ses fesses sales. Je ne sais pas comment essuyer mon popo. Laissez-moi vous aider. Comment Papa Wolf va-t-il aider Lucie? Je vous montre maintenant comment faire. Wow, les illustrations de Papa Wolf sont vraiment faciles à comprendre. Tout d'abord, prenez suffisamment de papier hygiénique. Pliez-le. Essuyez-le ensuite de l'avant vers l'arrière. Pliez et essuyez à nouveau. L'opération est terminée lorsque le papier est propre. Voyons comment Wolfo et Lucie vont s'entraîner. Pas trop. Le plier. Pas comme ça. Je peux le faire maintenant. Oups. Il faut que je m'entraîne maintenant. Rincez et lavez-vous les mains après avoir terminé. Que se passe-t-il? N'ouvrez pas la porte aux étrangers. Et n'ouvrez pas la porte aux étrangers. Oui. La maison de Slotty a l'air tellement cool. Qu'en pensez-vous? Ça ne va pas. La maison est dans la ligne de mire du voleur. Les enfants sont-ils en sécurité? Oh!
Laissez-moi utiliser vos toilettes, s'il vous plaît. Mira est très demandée et se souvient de ce que les adultes lui disent. C'est louable. Au voleur! Vous en voulez? Oui. Non, les pommes gratuites sont souvent empoisonnées. Donc, deux pièces pour une pomme. Deux pièces pour une pomme, d'accord? Non, c'est trop cher. Le voleur semblait très déterminé à entrer dans cette maison. Ce n'est pas facile. Je vais te fabriquer des jouets. Les enfants. Le voleur parviendra-t-il à ses fins? Oh non! Arrêtez! Heureusement, les adultes sont arrivés à temps. N'ouvrez pas la porte aux étrangers. On a compris. Les enfants, veuillez répéter la leçon d'aujourd'hui. Oh, c'est tellement différent. Les médicaments ne sont pas des bonbons. Non. Tu veux jouer à la chasse aux bonbons? Tu peux garder tous les bonbons que tu trouveras. Lucie et Amy étaient très excitées à l'idée de manger des bonbons. C'est fait. Voyons voir, qui trouvera le plus de bonbons? Allez, Amy! Wow, Lucie a si bien joué ce jeu! Lucie a même fait exprès de taquiner son ami. Les enfants, venez sortir le gâteau. C'est une armoire à pharmacie. Que va faire Amy? Non! J'ai trouvé des bonbons. Il y a quelque chose qui va pas. Si, c'est des bonbons. Regarde-moi. Pourquoi est-ce que tu as essayé de manger ça? Je voulais faire croire que j'avais trouvé des bonbons. On ne prend des médicaments que quand on est malade. Ah!
Vous voyez, la médecine vaincra les bactéries responsables des malades, ce qui nous aidera à nous rétablir après une maladie. Prendre des médicaments alors que tu es en bonne santé peut être très dangereux pour toi. Où sont les microbes? Les conséquences sont effrayantes, n'est-ce pas? Je ne referai plus jamais ça. La prochaine fois, ne prends des médicaments qu'en présence d'un adulte. Vous vous souvenez aussi des conseils de Maman Wolf, les gars? Où Wolfou prend-il la pause? Oh non! Conseil de sécurité pour prendre le métro. Le train arrivera dans 15 minutes. Restons assis et attendons. Hé, Wolfou! Je le vois pas. Que va faire Pando? Bon sang, cette chose que fait Pando pourrait-elle être dangereuse? En attendant le métro, ne franchis pas cette ligne, sinon tu risques de tomber dans la voie ferrée. Pando, c'est dangereux de jouer comme ça. Merci, Wolfou. Wolfou sait comment rendre son père fier de lui. C'est quoi le problème avec Wolfou qui se tient là? Oh là là! Je ne m'appuierai plus jamais sur la porte. N'oubliez pas les enfants de ne pas faire ce que Pando et Wolfou ont fait dans cet épisode, d'accord? Eh bien, Jenny est dans un spa. Et Wolfou? Papa Wolf? Journée de spa. Oh, Wolfou et papa ont l'air si fatigués. Vous voulez jouer avec moi? Pas maintenant, chérie. Je suis un peu fatiguée. Qu'est-ce que Lucie s'apprête à faire? Lucie a ouvert un spa à domicile. Maintenant, tu peux te détendre dans mon salon de beauté. Voyons voir comment Lucie va-t-elle s'occuper de son père et de son frère.
C'est ça? Oh non! Ne partez pas! Je ne vous dérangerai plus! Qu'est-ce que Lucie fait encore? C'est très bien que vous vouliez prendre soin de nous, mais il faut le faire de la bonne manière. Quoi qu'il en soit, nous devons apprendre. D'accord, les amis? Jenny! Qu'est-ce qui ne va pas avec Jenny? Ne laissez pas les bébés seuls. Voyons voir, quel est le scoop ici? La montre est magique. Cette montre est tellement magique. S'il te plaît, surveille Jenny. Il faut que j'aille aux toilettes. Maman, quelqu'un pour toi? Maman! Jenny, attends ici. Oh non, Jenny a été accidentellement enfermée dans la chambre. Oh, Jenny est toujours aussi insouciante, mais c'est parce qu'elle n'est qu'un bébé. Jenny est là toute seule. Oh non! Jenny! Arrête! Regarde, maman! Eh bien, Wolfou est un garçon si intelligent. Enfants, ne laissez jamais le bébé tout seul, c'est très dangereux. On est désolé, on a compris. On y va! À quel jeu jouent Lucie et ses amis? Attendons avec impatience l'histoire d'aujourd'hui. Les gars, je suis désolé. Qu'est-ce qui va pas?
sont-ils malheureux à cause des actions de Lucie? Laisse-moi l'emprunter pour prendre une photo. Oh, Lucie, se tenir sur le flotteur pour prendre des photos est très dangereux. Oh non! Tu es d'accord, Amy? Avec elle. Si c'était Lucie, pourriez-vous imaginer un moyen de vous réconcilier? Oh non, cette méthode n'est pas du tout efficace et cause davantage de problèmes. Désolée, je voulais pas faire ça. Je ne sais pas comment faire pour qu'elles arrêtent de m'en vouloir. Tout d'abord, essayons les affaires de nos amis. Ce qui est important, c'est que Lucie s'est rendue compte de son erreur et a essayé de trouver un moyen de la réparer. Les enfants, ne vous inquiétez pas de faire accidentellement quelque chose de mal. Ayez le courage d'admettre votre erreur et de la réparer. Merci, Papa Lou. Oh non, qu'est-ce qui ne va pas avec le nez de Casper? La machine de l'honnêteté. Le château de Wolfou a donc disparu. Mon château! Qui a fait ça? Très bien, je vais le trouver tout seul. Casper, est-ce que tu peux dire que c'est toi qui l'as fait? Wolfou ne va jamais te gronder, toi. Lucie, éviter ces erreurs comme ça n'est pas une bonne chose. Ceci est la machine à honnêteté. Casper, viens ici. Est-ce que tu as cassé mon château? Oui, c'est moi. Tu es sûr? Oui, oui. Il y a quelque chose de bizarre avec cette machine. C'est ainsi que Casper a eu un long nez parce qu'il n'a pas été honnête. Il faut que je trouve Lucie. T'inquiète pas, il va pas rester comme ça très longtemps. Ah!
je rentre chez moi. Vous voyez, l'inconvénient du nez empêche Casper de jouer confortablement. Pourquoi une telle injustice ? Wolfou, est-ce que tu peux rendre son état normal à Casper? Casper, viens là et dis la vérité. Je n'ai pas cassé le château. Lucie, tu devrais toujours être honnête et admettre tes erreurs. Oui. Les enfants, la tricherie est immédiatement rejetée. L'équipe de baseball rose contre bleu. Cette fois-ci, ma famille gagnera encore. Non, ma famille va gagner. Eh bien, Wolfou et Buffo sont tous deux très déterminés. Maintenant, il faut s'entraîner pour la prochaine compétition de baseball. Je suis désolé, Monsieur Zebra. Wow, le spectacle de la famille Buffo était vraiment génial. Allez, on peut le faire. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Avez-vous déjà entendu ce proverbe ? Et aujourd'hui, c'est le jour de la compétition. Pouvez-vous deviner si c'est l'équipe bleue ou l'équipe rose qui remportera le match? La famille Buffo mène 1-0. Les passes sont nettes. Et le score était équilibré. Wow, les deux équipes se sont poursuivies de près. Ce dernier coup décidera de l'équipe gagnante. La victoire appartient à la famille Wolfou. Vous voyez, il suffit de s'entraîner dur et vous réussirez à coup sûr. La tornade. Les super-héros sont prêts à se battre. Incroyable! Le savant fou a déclenché une tornade super géante! Oh non! C'est si dangereux, Amy! Voyons voir comment tu vas m'arrêter maintenant! Donne-moi la machine à tornade! Un goût de sa propre médecine, n'est-ce pas? Le savant fou a également été pris dans la tornade.
Wolfou, envoie-moi ta toile. Félicitations, Superwoman Cat est si cool. Vous voyez, le bien l'emportera toujours sur le mal. Aïe, quel est ce bruit? Un monstre dans le ventre. Ce son semble très effrayant. Bonjour. Qu'est-il arrivé au ventre du chat? Pouvez-vous le deviner? Les fantômes existent-ils vraiment? Non! Arrête de me poursuivre! Tu vas bien? Oh non, c'est comme ça! Wolfou a peur de son ombre! C'est à cause de la négligence de Wolfou que le chat a mangé un tel objet étranger. Oh, le chant de Kat est-il si mauvais que ça? Pourquoi tout le monde a-t-il vomi? Oh non! Quelle est cette solution? Que se passera-t-il si on mange des fruits de cet arbre? L'arbre dégage une odeur attrayante. C'est délicieux! Je vais les vendre! Madame Dory va toujours bien? Ainsi, à l'exception de Madame Dory, tout le monde a vomi après avoir mangé ce fruit étrange. J'ai mal au ventre. Ça fait mal. Oh non. Docteur Do, aidez-nous, s'il vous plaît. Oui. Que devons-nous faire maintenant? Oh non, Pogo! Ouf, heureusement, Wolfou est arrivé à temps. Wouah, voyons ce que Wolfou va faire. Merci de votre attention. Oh non! On y va! Attention, Wolfou!
Le tremblement de terre est imminent. Courez, courez vite, courez, courez! Le tremblement de terre s'est produit si soudainement que nous avons dû prévenir les personnes sur le terrain. Oui! La terre, un tremblement de terre, un tremblement de terre est à venir! Le tremblement de terre est arrivé si vite! Baissez bien votre tête, suivez-moi! On y va, on y va! Non, 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 non! Wow, l'invention du Dr. Cat en vaut vraiment la peine! C'est l'abri souterrain que j'ai construit en cas de catastrophe naturelle! Mais comment le Dr. Cat, Wolfou et Molly vont-ils sauver tout le monde sous terre? Je vais en haut, tu vas en bas. Oui! Wolfou est de retour, mais Molly ne l'est pas encore. C'est ainsi que Wolfou a décidé de trouver Molly. Wolfou a réussi! Vêtements roses ou vêtements bleus? Wolfou et Lucie sont occupés à préparer des vêtements pour assister à l'anniversaire de mariage de leurs parents. Vous préférez le bleu ou le rose? Vous pouvez ainsi changer la couleur de n'importe quel objet. Le costume bleu de Wolfou est magnifique! Aïe, la négligence de Wolfou a ruiné la belle robe rose de Lucie. Je suis désolée, je vais la réparer. Oh non, le bleu et le rose sont en guerre. Et regardez, maintenant tout est mélangé en bleu et rose. Wolfou et Lucie, aucun n'est prêt à céder l'un à l'autre. Oh non, ils ont abîmé la robe de leur maman. On est désolés. Souvenez-vous, ne vous battez pas.
On va tout réparer ensemble. Oui, maman. Heureusement, ils se sont rendus compte de leur erreur et ont créé une robe de mariée unique pour leur mère. Eh bien, dans l'épisode d'aujourd'hui, y a-t-il quelque chose d'intéressant à propos de la nourriture ? Soyez créatifs avec le chocolat. Pour vous. Merci. Oh non, les enfants Wolf laissent leur nourriture dans un tel désordre. Que va-t-il se passer ensuite? Les fourmis ont donc emporté toute la nourriture délicieuse. Ne laissez pas traîner la nourriture, ça va attirer les fourmis. Faisons des chocolats. Nous attendons avec impatience les délicieux plats au chocolat qui sortiront bientôt. Des pommes de terre enrobées de chocolat. Wow, très appétissant. Je pensais que c'était du coca, mais c'était du chocolat. Pourquoi tous les visages ont-ils l'air si bouleversés? Dites non au vaccin. Qui veut passer en premier? Oh, rapide et furieux. Bonjour. Attendez. La vaccination est-elle douloureuse? C'est fini. Ça faisait pas mal du tout. Pour toi. Ah ah, Pipi aime aussi les bonbons. Stop! Oh non! Oups, cette situation est à l'origine d'un malentendu. Pipi! Pipi! Oh non! Il faut qu'on sauve Casper! Oh, qu'est-ce qu'ils vont faire? Le docteur Do ne comprend toujours pas ce qui se passe. Les enfants. Protéger ses amis est une bonne chose, mais il faut aussi en étudier soigneusement les raisons. Les enfants. Qu'est-ce qui se passe? Casper, tu vas bien? Lucie et ses amis ont fait cela. Le docteur était très triste. Pipi, pipi, arrêtez. On croyait tous que docteur Do te faisait du mal.
Cette piqûre vous aide à combattre les virus et à être plus fort. Et cela ne fait pas mal du tout. Avez-vous déjà été vacciné ?